Bonjour, ici Amy Girard. Je fais une vidéo pour vous montrer comment faire fonctionner le photocopieur du cégep de Saint-Félicien durant vos années d'études. Premièrement, nous avons un Canon Image Runner Advance 6055 qui est performant et qui a plusieurs options. Premièrement, on peut imprimer, scanner, faxer, envoyer par email et je vais aussi vous montrer comment changer la cartouche d'encre et de papier. Donc, pour imprimer, on peut aller à l'intérieur de la machine et enregistrer des documents à l'intérieur. Donc, on n'a pas nécessairement besoin des imprimés de l'ordinateur. Donc, comme on peut voir ici, il y a des documents qui ont été choisis et enregistrés à l'intérieur. Donc, on peut aller sélectionner et imprimer le nombre de copies qu'on désire. Par la suite, il y a aussi l'option photocopie où on peut insérer une feuille sur la plaque de scanner et faire des copies une à la fois ou sinon insérer plusieurs feuilles ici, telles que montrées dans la vidéo. Donc, le photocopieur offre plusieurs options pour compléter les photocopies. Premièrement, nous avons l'option recto verso, ainsi que l'option pliage pour réaliser des brochures ou etc. Il y a aussi l'option l'agrafage pour brocher les feuilles dans n'importe quel coin désiré. D'un autre côté, il y a aussi l'option scanner, qu'on retrouve lorsqu'on est sur l'écran principal et qu'on choisit l'option en haut à droite, afficher tout, pour ensuite aller sélectionner l'option scanner. Pour scanner, c'est une feuille à la fois avec la plaque de scanner pour ensuite l'envoyer par email ou s'en faire un format PDF. De plus, si jamais il y a plusieurs feuilles, on peut les mettre ici comme montré sur la vidéo pour l'envoyer par email ou encore par numéro de téléphone si nécessaire, c'est ce qu'on appelle envoyer un fax. Il faut aussi s'occuper de la cartouche d'encre de la machine pour faire en sorte qu'il ne manque pas d'encre lors de l'impression des feuilles. Donc, ici au Cégep de Saint-Félicien, c'est la repographie qui est ouverte de 8h30 jusqu'à 11h du lundi au vendredi qui s'occupe de changer la cartouche d'encre. Mais comme vous pouvez voir dans la vidéo, voici où se trouve la cartouche d'encre. Par contre, ce n'est pas nous qui la changeons. Pour le papier, c'est un petit peu la même chose. C'est aussi la recopographie qui s'en occupe et c'est eux qui ont les feuilles. Donc, voici aussi où elles se trouvent et il faut faire attention à quel format de feuilles on a besoin. Donc, en conclusion, voici toutes les informations des options qu'on retrouve à l'intérieur du photocopieur du Cégep de Saint-Félicien. Par contre, si jamais vous avez plus de questions, vous pouvez toujours aller vous informer à la repographie ou sinon, voici des liens que nous avons utilisés et que vous pouvez aussi visiter pour répondre à vos questions.